Passé. Voyons voir. Indice de mission. Peut-être que là-dedans, voilà. Merci. Cherchez autour de vous. Qu'est-ce qui pourrait ouvrir? Hey. Donc c'est pas ça. Qu'est-ce que ça fait? C'était les chiottes. Parce qu'on avait des chiottes. Seule la voix de Shanyun peut l'ouvrir. Survolt. Surtout pour un charme de mousse, quoi. Bon, c'est aussi autre chose. Voilà quoi. Je peux pas le réveiller en mode vas-y chante pour moi. Bon, il a mal à la voix donc ça marche pas. Faut qu'on le voit. Pourtant, la voix de Shanyun. Ouais. Mais. Est-ce qu'il était pas en train d'enregistrer? Il remplit l'opéra. Pourquoi donner des concerts privés? Ça on s'en fiche. Là, c'est beaucoup tal. Peut-être le ronflement. Mais vraiment, je veux. Là, ça fait des rosettes, ça c'est des machins, ça c'est des murmures, ça c'est des trucs. Là-bas, y a rien. Quel problème ? Chercher à côté de vous. Bien fait. Le grand vide. D'après ce que m'a dit Dodd, un endroit qu'on n'oublie pas de sitôt. Thank you.
Câblage. C'est pour les domestiques. Que cherche Anien dans le grand vide? Il a déjà presque tout. Ouais, boy. Je vais pas chercher une soluce. Wait. Peut-être reviendra-t-elle. Oh. Non, ça marchera pas. Dommage. Seule la voix de Shanyun peut l'ouvrir. Ça aurait pu, hein. Mais. Ça met 0. Permettez-moi, ça commence à m'ennuyer. Il est où ce machin de mort? Il arrive à trouver, évidemment. Si. Ouais, s'il te plaît. On va dire partie 2. Système de sécurité. Ok, d'accord. Trouvé. C'est pas du tout ici. Un bon de m'indiquer que ça, mais c'est sûrement rien. Quelqu'un a dû entendre un chien aboyer, un truc comme ça. Le résultat, tous sur les nerfs. C'est extrêmement ennuyeux. Hey,
tiré dessus, en pleine tête. Voyons un peu. Entrez-vous. Où que vous soyez. Il s'est rien passé. Tchao, tchao, tchao. Me descendons. Avec impatience. Ouh. C'est là-dedans, je crois. Qui a ouvert cette porte? C'était peut-être le vent. Oh, le vent est ultra puissant. Vigilant comme toujours. Ouais, mais cette fois c'est sérieux. Faire attention. Est-ce que je peux grimper? J'ai pas la pression. Qu'est-ce qui se passe? Cette porte était censée être fermée. Je vais t'aider à chercher. Je vais jeter un coup d'œil. Allons voir ça de plus près. Viens ici. Jetons un coup d'œil aux alentours. Cherchez partout. Je n'ai pas. Ça. J'ai besoin d'un coup de main. Ouh. Il y a quelque chose qui se passe. Demande-moi ce que c'était. Ça a rien passé. On vit une période bizarre. Ils sont coincés. Faut toujours rester sur ses gardes. Il y a quelqu'un. J'ai voulu lancer, ça a fait non. Il y a eu accident. J'aime beaucoup l'assassinat. Un des nôtres est à terre. Quoi? Quelqu'un est à terre. Le score. On peut plus rien faire. Vous. Mais. Prends ça. Dame. Je comprends plus rien. Hein. C'est trop bizarre pour moi. Rien d'impressionnant. Oh bon. Disgracieux. Un nouveau morceau. Les cartes se vendent déjà très vite. Pas donné tout ça. Elle a peut-être oublié des escaliers. Normalement, c'est bon. On l'a. Seule la voix de Shanyun peut l'ouvrir. Ah oui, non. Voilà. C'est forcément le couteau. Il est dans le coffre d'une banque. Il va me falloir cette deuxième clé.
Ah, donc réserve de santé augmente, c'est quoi? On a nani, cocktail étonnant, et le saut de mouton. Let's go. Oui, non, mais on peut peut-être mettre aussi la vigueur. Parfait. Attends, faut se rebarrer. Allez, j'ai pas toute la journée. Avec un seul passage. Trop tard pour mais... Je suis pas d'humeur. Montre-toi. Est-ce que vous allez comme ça? Pouf pouf. Je croyais que ça avait bugué. Mais non. Pourquoi ça prend autant de temps? Je devais interviewer Shannon il y a des heures. C'est l'après-midi et il est toujours pas là. L'oiseau chanteur boréal. Tu peux y aller maintenant. Bien sa réputation de diva. Alors là, ça devrait le faire. Devrions-nous nommer votre neveu comme directeur du comité d'hygiène publique? Demandons à l'expert foncier de retourner inspecter les canalisations de la ville. Par contre, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas plusieurs. C'est perturbant par rapport au premier. En fait, c'est parce que c'était la première mission. C'est trop bizarre. Ça, on avait vu qu'il n'était pas là. Vie antérieure. Colibrun Plaza, Je devrais aller voir Ivan Jacobi. Regardez-moi, mignon, méchant. Assurez-vous que cette trappe reste fermée, J'ai pas envie de tomber pendant mon discours. Okay, des méchants. Vous avez entendu, monsieur Jacobi. Fermez cette maudite trappe. Citoyen, je suis ici pour demander l'abrogation de la loi autorisant la réattribution des sites funéraires. C'est un manque de respect pour les morts comme pour les vivants. Voudriez-vous que vos êtres chers... Oh, non, ça ne va pas. C'est un manque de respect pour les morts... Ah, si j'étais à déjeuner, plus d'émotion. Bah, c'est un manque de respect pour les morts et... Mais où est donc le président? Je lui donnerai ma clé pour qu'il m'apporte un autre manteau. Manque de respect. C'est un manque de respect. Ah, ça y est, je l'ai. Citoyen, nous sommes ici pour parler au nom de ceux... dont les voix se sont tues.
À chaque fois que nous détruisons une tombe et effaçons un nom, un cri silencieux résonne dans le grand vide. Voudriez-vous que vos êtres chers... J'ai bien reçu ta demande et je trouve aussi qu'il serait grand temps de manger. Et si je connais alors, seulement, nous sommes toujours de garde. Un seul je te recontacterai dès que j'en serai plus. C'est toujours son petit effet. Ça ferait bien rire le public. Ou peut-être avec la blague de la fausse dent. Non, les blagues sur les bords, c'est trop risqué. Il ne méritait pas cette menace. Ça doit être de mauvais goût. Bien mieux que lui comme ça. Ou alors, on l'a eu. Cette histoire, on cogne à la fenêtre. Une sinistre assurée. C'est bien ce que je me disais. Ça veut pas l'assassiner discrètement. Pourquoi tu... Puis ça fait un gros coup de mort. Mais non, qu'est-ce que je raconte? Citoyen. Chers citoyens de Karnaca. Mes chers citoyens de Karnaca. Ah, on va les tuer. Réfléchis, pas de leur tête, là. Les morts. Les morts se réveillent. Les esprits errants nous observent, citoyens de Karnaca. Non, ça peut... Il faut être en train de lire la lettre en ce moment même. Citoyens. Je suis ici pour demander l'abrogation de la loi autorisant la réattribution des sites funéraires. C'est un manque de respect pour les morts comme pour les vivants. Voudriez-vous que vos êtres chers... Non, ça ne va pas. C'est un manque de respect pour les morts. Ah, non. Salut. J'ai besoin d'aide. Oups. Non, qu'est-ce que je raconte? Citoyens. Chers citoyens de Karnaca. Mes chers citoyens de Karnaca. Ah. Putain, gaffe. Ce que je sais, c'est que ces cinq dernières années ont été les plus noires. Les morts se réveillent. Les esprits errants nous observent, citoyens de Karnaca. Les officiers méritent davantage de rations. Ils moisissent tout étendu et qu'on vient de faire ces dieux. Citoyens, je suis ici pour demander l'abrogation de la loi autorisant la réattribution des sites funéraires. C'est un manque de respect pour les morts comme pour les vivants. Voudriez-vous que vos êtres chers... Je peux pas le récupérer. C'est un manque de respect pour les morts... Ah, non. Plus d'émotion. C'est un manque de respect pour les morts et... Ah, mais où est donc passé Winstead? S'il arrivera, je lui donnerai ma clé pour qu'il m'apporte un autre manteau. Celui-là est sale. Manque de respect. C'est un manque de respect. Ah, est-ce que je peux ça y est, pas je l'ai. Citoyens, nous sommes ici pour parler au nom de ceux dont les voix se sont tues. À chaque fois que nous détruisons une tombe et effaçons un nom, un cri silencieux résonne dans le grand vide. Voudriez-vous que vos êtres chers... Oui. Et si je commençais avec mon histoire du linceul sale de Martin Milaro? Elle fait toujours son petit effet. Ça ferait bien rire le public. Ou peut-être avec la blague de la fausse dent. Non, les blagues sur les morts, c'est trop risqué. Ça pourrait être de mauvais goût. Ou alors, cette histoire... Il me voit pile entre les deux. Une sinistre à souhait. Non, qu'est-ce que je raconte? Citoyen. Ok, on l'a. Cher citoyen. Non, faut se barrer. Mes chers citoyens de Karnaca. Ah. Réfléchis, Ivan. Les morts se réveillent. Les esprits errants nous observent, citoyens de Karnaca. Non, ça peut être fait public. Citoyens, je suis ici pour demander l'abrogation de la loi autorisant la réattribution des sites funéraires. C'est un manque de respect pour les morts comme pour les vivants. Voudriez-vous que vos êtres chers... Non. C'est un manque de respect pour les morts... Non. Et plus d'émotion. C'est un manque de respect pour les morts et... Est-ce que je peux pas aller non. Là, ça va me refaire tomber des endroits. Citoyens, c'est ennuyé. Nous sommes ici pour parler au nom de ceux dont les voix se sont tues. À chaque fois que nous détruisons une tombe et effaçons un nom, les silencieux résonnent dans le grand jour. Nous
Donc c'était juste à côté. Personne. Petite table de billard. Tiens, c'est quoi ça? Donner du challenge peut-être. Les murmures, la clé. C'est forcément le couteau. Il est dans le coffre d'une banque. Il va me falloir cette deuxième clé. Oh, ces gens sont des malades. Je l'ai. Tu vas me dire que c'est bon ? Qu'est-ce qui est ? Ça va exploser ? Bizarre. J'espère que ça va pas l'appeler. Ce serait extrêmement ennuyeux. Auriez-vous envie de passer une journée au jardin botanique ? Non, je... J'ai mieux à faire de mon temps. Ah mais il bouge pas. Faire attention à lui là. J'ai repéré une étoile ce soir. Et on se barre. Wouhou. Comment ça, s'il veut le tuer? Oh. Ah oui. Ah, mais c'était pas une civile. C'était... meurtrière. La détection. Ouais, on va dire ça. Ouais. Il y en avait trois. Bien. On va récupérer. Alors ça. Et le gars de. Ah, c'est lui qu'il fallait que je tue. Ah, je savais qu'il me disait quelque chose. Mais. Genre, le truc qu'on a fait, voilà, le. Ça et ça. Ok.